Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce jeudi 30 novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé une excellente journée hier. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, j'ai pigé le 8 de feu aperçu. Le 8 de feu, c'est au niveau énergétique, n'est-ce pas? Le 8 de feu aperçu. Alors, l'essence de cette carte, c'est le coup d'éclair. C'est la perception. Ce sont les échanges sans effort. Ce sont les changements spontanés, c'est aussi la transformation positive, la perception, la compréhension rapide de la situation que vous vivez présentement. Le message intérieur de cette carte, pour certains d'entre vous, eh bien, tout vous semble clair à cet instant. Les voix intérieures qui permettent une communication libre et sincères, et surtout celles qui partent de votre cœur, sont ouvertes. Oui, grand ouvertes. Vous êtes à présent, eh bien, prêt pour un échange important et clarifiant sur un plan très personnel. Vous allez clarifier une situation, n'est-ce pas? Étant donné qu'il n'y a rien à cacher, eh bien, vous pouvez partager avec d'autres vos opinions avec grande affection. Vous allez vraiment clarifier une situation présentement, que ça soit au point de vue professionnel, sentimental, familial aussi. Il va avoir une clarification des choses parce que tout est net, tout est pur. La manifestation extérieure, vous pouvez à présent, par des idées claires et des propositions concrètes, donner vie à des choses qui avaient longtemps stagné. En ne vous fixant pas que sur votre propre vision, n'est-ce pas, mais en risquant un regard à travers d'autres yeux, vous arrivez plus rapidement à un accord. Donc ici, vous arriverez rapidement à un accord. Peu importe qui, n'est-ce pas, a la meilleure idée. Peu importe. Le plus important est que l'affaire se règle pour le bien de tous. Clarification d'une situation. Et c'est important. C'est important que vous le fassiez. Parce qu'il n'y a, rien de caché dans cette chose que vous devez clarifier. Il n'y a rien qui est caché. Et maintenant, c'est en parlant, en dialoguant, en communiquant. Alors, comme la carte le dit, n'est-ce pas, peu importe qui a la meilleure idée. Hein. Mais il y a une situation présentement à clarifier et ça sera salutaire pour vous
mais aussi pour les autres. Beau message, n'est-ce pas? On termine avec l'oracle de l'évolution. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance. Tout ira très bien. Si maintenant c'est la peur qui vous stagne à ne pas clarifier cette situation, mettez votre peur derrière vous parce que ça sera salutaire. Ça sera bien pour vous et pour les autres. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour le dernier message de cette semaine. D'ici là, je vous embrasse, portez-vous bien, à demain.